Bonjour à tous les amis, c'est Aventureman, toujours prêt, qui vous présente l'épisode numéro 16 de notre aventure sur le mystère de Noël. Désolé les amis si j'ai pas pu enregistrer la semaine dernière, mais j'ai eu un imprévu. Oui, normalement il n'était pas prévu hein, que j'allais avoir des problèmes le week-end dernier, mais bon, voilà. On fait avec, donc du coup, comme puisque j'enregistre 2 épisodes par semaine, vous aurez droit à 4 épisodes. Les amis qui seront postés. Voilà, je m'arrangerai pour le week-end de vous les publier en temps et en heure, bien évidemment, et on va rattraper le retard. Bien sûr, les vacances de Noël débutent, alors j'espère que vous allez passer un très bon réveillon de Noël et aussi une bonne année 2019 de ma part en avance. Désolé pour ma pauvre voix, mais je sais pas ce qui se passe, mais depuis hier, je suis comme ça. Je ne tousse pas, mais ma voix est prise, donc du coup, je peux pas faire des voix aigu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va continuer assez notre aventure. Donc la dernière fois, nous sommes allés dans la ville de chez Alexis. On a appris bien sûr qu'un autre, enfin un garçon qui est possédé par le prophétard a capturé les habitants, parents et enfants, et ainsi que les gens, et les a enfermés dans le volcan Mer Rouge. Et nous avons 24 heures avant l'éruption du volcan. Donc du coup, on a contacté le chef de Sam qui nous a dit de passer par la colline rocheuse plutôt que par le volcan, car c'est beaucoup trop risqué. Donc voilà où est-ce qu'on en était les amis. Donc on va continuer la suite les amis. Donc c'est parti, continuons l'aventure. Oh, je suis prise. Aïe. Donc c'est par là. Donc voici la colline rocheuse. Voici la colline rocheuse qu'on doit traverser pour rejoindre directement le sommet du volcan. Vous trouvez pas qu'il fait chaud ici? Si, je trouve qu'il fait très chaud. Le chef, Sam. Oui, Laurie, je sais. Chef, ce pirate et cette jeune fille avec son poisson très intelligent. En effet, il fait très chaud ici. Vous, chef, on peut dire que vous êtes un vrai espion. Il faut avoir aussi les oreilles fines, Sam. Oui, bon, c'est quoi cet appel, chef? Ah oui, la raison de mon appel. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous dire. Je commence par laquelle? Commencez par la bonne en premier. La bonne nouvelle, c'est que Noémie est déjà au sommet du volcan. Elle vous attend. Ouais, et la mauvaise? L'éruption du volcan a été une nouvelle fois accélérée. Oh bah c'est pas vrai ça. Il ne vous reste que 15 heures avant l'éruption. Oh bah dis donc, le chrono a changé. Hein, 15 heures alors qu'on est au pied de la colline? Ah, vous accélérez le pas si vous voulez sauver tous ces gens. Enfonce alors. Bien, bonne chance. Allons vite au sommet. Mais vite. Ouais. On se grouille parce qu'on a peu de temps maintenant. Au lieu de 24 heures, on a 15 heures. Pouf. Manquait plus que ça. Allez, allez, dans cette map-là, j'ai pas mis de monstre parce que comme on va affronter un boss, je me suis dit que c'était pas la peine. Nous voici au sommet. Et voilà Noémie. Ah, c'est vous. Allons les secourir. Noémie rejoint l'équipe. Yes. Ah oui, je vous ai pas montré les statistiques de Alexis. Je suis bête. Voilà, étudiant à l'Académie Prodige. Il se prend pour être un grand spécialiste à l'âge. C'est un élève prodige. Et on peut voir maintenant les caractéristiques de Noémie qui est une sorcière. Un sommet transformé en humaine. Elle connaît bien les monstres du monde entier. Alors, je prends juste du lait pour Sam. On va changer de formation. On va tester Noémie à la place de Maëline. Je vais enlever Hugues. Je vais mettre Laurie à la place. Allez, c'est parti les amis. Le voilà. Je savais que j'allais pas être tranquille longtemps. Voilà ces gens tout de suite, le vol qu'on va détruire aussi. Nah, peu importe si je meurs, au moins j'aurai accompli ma mission. Nya. Wow, il est devenu un dragon. Un dragon de lave apparaît. Je vais tous vous tuer. Et il commence par lancer flammes.
pour se servir de la magie glace puisqu'on n'a pas énormément grand chose. Mais non, il n'aurait pas utilisé flamme. Oh, j'ai réussi à le paralyser. Trop fort. Yes! Victoire! Wow, une défense plus, une âge limitrine, une chance plus. Axel passe niveau 10, une puce à mur est apprise. Noémie passe 11, Chip passe niveau 10. Le chakra est appris. Laurie passe 9, Hugues passe niveau 10. L'éclat est appris. Alexis niveau 11, Sam niveau 9. Manini niveau 10, le 102 est appris. Ouille! Le volcan est sur le point d'exploser! Sortons vite les habitants! Ouais. Ouf, on a échappé belle là. Ouf, nous avons eu chaud. Mais on a sauvé tout le monde et nous-mêmes. Certes, mais nous devons interroger ce garçon des nos mains pour ça. Ouais, où sont les jouets qu'il a volés? C'est vrai. On est de nouveau dans la maison d'Alexis et le jour s'est levé. Quand j'étais possédé par le père Fouettard, on est tous allés dans des territoires différents et on devait voler les jouets restants pour en situer donné, afin qu'il les livre au Père Noël aux personnes méchantes. Le reste, eh bien, on pouvait faire ce qu'on voulait, voilà ce que je sais. Ok. Bon, ça nous apprend pas davantage plus, mais voilà. Voilà. Je vois, merci pour ces infos, petit. Chef, qu'avez-vous à nous dire pour la suite de notre voyage? Six saisons. Dans des territoires différents, alors jusqu'à présent vous avez fait la forêt, le gravier. Les territoires proches de ces zones sont les zones de glace et de désert. Alors où on doit se rendre maintenant, chef? Eh bien, vous allez devoir me rejoindre là où je suis. Retrouvez-moi à lumière, et ce soir, je serai à l'auberge. Entendu, on ira dans le territoire de glace, chef, pour vous rejoindre. Bien, c'était là va être prévenu avant qu'il vous téléporte là-bas. Quant au garçon, je charge Noémie de le ramener chez lui. Très bien, alors à ce soir, chef. À ce soir, j'ai hâte de te revoir en chéri en os, Sam. Bon, et bien, allons-y, Sam. Allons prendre une sauf qu'on va tout de suite au territoire de glace. Oui. Ok, prochaine destination, lumière glace, dans le territoire de glace. Noémie quitte l'équipe. Bon, ma téléportation est prête. Bonne chance pour la suite, les amis. Merci, Stella. Et on est parti. Ah, il fait trop froid par ici. Pourquoi le chef est en déplacement ici? On lui demandera une fois, Harry. Mais en ville, Laurie. Eh bien, trouvons la ville, les amis. Ouais, trouvons la ville. Alors, ça fait... Ouais, ça fait presque 15 minutes que je filme, les amis. Mais bon. On rejoint la ville et après, on arrêtera là. Oh non, c'est mon antivirus. Juste pourquoi est-ce qu'il me l'apparaît ça en pleine vidéo? Oui. J'ai réussi à aveugler la fessie, mais pas la fessée.
Voilà une lumière glace. Nous y voilà enfin. Le chef est à l'auberge, allons le voir. Ouais, mais l'auberge sera la prochaine fois, les amis. Je dois sauvegarder ici. Donc, je sauvegarde mon cas que je retrouverai la playlist à droite pour trouver l'épisode 7. Qu'est-ce que je raconte? Épisode 7. Oh là là, ça y est, je sais plus jouer. L'épisode 8, excusez-moi. L'épisode 8, excusez-moi. Oh là 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 là. Bon, je reprends. À gauche, vous retrouverez la playlist. À droite, vous retrouverez l'épisode 8, les amis. Oh, quelle grossière erreur je viens de faire. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye bye.